Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Kevin et de Liam derrière, que vous ne voyez pas. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit vlog parce que là, on est actuellement en route pour aller chez Jiffy. En fait, on avait repéré deux chaises pour le bureau parce que oui, on n'a toujours pas des chaises pour le bureau depuis le temps qu'on vous a fait le vlog du bureau. Donc du coup, on va voir ça et puis on va voir si on va trouver des trucs pour Noël ou quoi. Enfin, on va voir. Ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs déjà pour Noël. Bah si, l'autre jour j'y suis allée et là ils ont tout installé pour Noël déjà. Des trucs de déco. Ah ouais? Déjà. Ah bah oui, déjà. C'est pas fini Halloween qui... Mais si, c'est fini Halloween. Oui d'accord, mais c'est passé depuis 3 jours que ça y est. Ah non, mais si, si. Mais déjà, juste quand ils ont installé tout pour Halloween, ils installaient en parallèle pour Noël. Ah ouais. Ah si, si. Dans les magasins, c'est ça, s'amuser avec les... avec les rouleaux de papier cadeau. Je trouve ça trop trop beau. Il est trop canon ce truc. Avec notre petit caddie, on vous montrera tout ce qu'on a pris à la fin. Ouais, je l'ai pris ça du coup. Tu vois que c'est pas fini les décos d'Halloween. Bon, ça y est, on vient de revenir. Bon, Liam vient de manger. Hein. Je vais vous montrer donc tout ce qu'on a pris. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait on avait un bon d'achat en fait chez Jiffy. C'est pour ça qu'on s'est un peu beaucoup lâché en fait. Je crois que j'ai jamais pris autant de trucs chez Jiffy. Mais voilà, on est trop contents parce qu'on a trouvé les chaises du bureau qu'on voulait. En fait, les chaises que j'avais repérées, elles y étaient toujours, mais en fait, il y en avait de nouvelles que j'avais pas vues la dernière fois. Donc du coup, on a pris celles-ci. Elles sont 10 fois plus belles. Je les trouve vraiment trop belles. Touche pas ça. S'il te plaît, tu attends, on va les montrer. Arrête, Liam, c'est pas marrant. Donc, du coup, on a pris un peu de tout. En fait, plusieurs catégories. On a pris des trucs pour Noël. On a pris beaucoup de choses pour la cuisine. Ouais, on s'est fait plaisir. En fait, on n'était pas trop équipés. J'arrive pas à parler. Niveau cuisine. Et comme en ce moment, Kevin est un peu à fond. Un peu à fond sur les recettes et tout pour après sa compétition. Voilà, il a repéré plusieurs recettes et tout. Du coup, fallait qu'on se... qu'on se mette à la page niveau cuisine, voilà, qu'on ait plus de... Bon bref, vous allez voir. Bon, je vais commencer parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors tout d'abord, je vais prendre des trucs de Noël parce que Liam est en train de tout prendre pour Noël. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses très jolies et très originales. Je ne savais pas trop quoi prendre en fait. Donc du coup, première chose que vous avez vu, que j'ai craqué dessus, il est en train de me tirer les cheveux. C'est cette chose-ci, donc un petit renne comme ça à suspendre avec une corde. Je le trouve vraiment trop beau gris. Je sais pas encore où on va le mettre, mais je le trouve vraiment trop canon. Il a coûté 8 €. Et voilà, vraiment trop beau. Même Kevin, il a adoré. Je pensais pas, mais... Ouais, moi qui suis pas très déco justement parce que j'en ai un petit peu marre de voir de la déco partout alors qu'on n'a pas la place. Et je l'ai trouvé mignon. Ensuite, j'ai pris ça. Ça aussi, je l'avais vu déjà la dernière fois. Je l'avais trouvé vraiment très joli. Donc c'est en fait... voilà, pour mettre au mur, hein. C'est une petite planche décorative, mais j'ai trouvé super sympa avec ce mélange de bois comme ça et avec des petites phrases qui illustrent Noël. J'ai trouvé vraiment très joli. Je crois que ça a coûté 6 €, je crois, je sais plus, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je sais déjà où je vais le mettre. Et ensuite, j'ai pris ce petit bougeoir, voilà, en porcelaine. Un petit renne comme ça pour mettre une petite bougie chauffe-plat. J'ai trouvé vraiment très mignon. Je pense que je vais le mettre sur le bureau, par ici. Et ensuite, j'ai pris ça. Alors, attendez, parce que ça s'est emmêlé. Bon, bref, c'est en fait pour mettre sur le sapin, hein, mais il y en a deux. Et en fait, il y en a un qui s'est pris dans l'autre. Et ça met des paillettes partout, voilà. Donc voilà, il y en a deux, ils sont séparés. Hein, et c'était 2 €, je crois, les deux. Et comme en fait, moi, je fais tout le temps mon sapin, j'ai un sapin blanc, et on le fait tout le temps argenté. Et là, je me suis dit qu'avec des petites touches de doré, ça serait pas mal. Donc voilà. On a pris donc tout d'abord un petit moule en silicone pour faire des muffins et des petits gâteaux. Comme à chaque fois qu'on fait des trucs comme ça, on n'a jamais les moules qu'il faut. Ben là, cette fois-ci, ouais, on en a. Ensuite, on a pris... des petites verrines comme ceci. Voilà, je vous ai dit vraiment, on s'est équipé pour faire des beaux petits repas. Hein. Donc, c'est des petites verrines vendues par 6 comme ça. Voilà, voilà. Trop mal au bras. On a pris des petits. Bon, ça c'est Kevin. Hein. Monsieur voulait des verres. Des verres à whisky.
Il a trouvé ceux-là, qui sont plutôt pas mal. Je trouve vraiment très sympa, très original. Originaux, pardon. À chaque fois, je fais la faute. Ils sont un peu noirs, gris. Enfin, voilà, ils sont très jolis. Et ensuite, tu souffles. Ensuite, Liam a... C'est accaparé la poêle. Mais on a pris une poêle parce que nous, les poêles, c'est un truc de fou. Je sais pas. Non, on cuisine tellement. Ouais, on cuisine tellement. C'est vrai, on se sert tellement tous les jours. Au moins 10 fois par jour des poêles. Et bref, on les a mis hyper vite. Du coup, là, on s'en est pris une qui sera spécialement pour les pancakes et les œufs. Parce que voilà, sinon ça accroche et ça nous saoule. Ensuite, on a pris une casserole. Voilà, parce que pareil, les casseroles, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a avec les casseroles et les poêles, nous. Mais on abîme tout. Après voilà, on a pris tout ce qui est ouvre-boîte, éplucheur parce que les nôtres sont cassées. On a pris, alors ça c'est quoi déjà ça? Une spatule à pâtisserie. Ouais, ça c'est le kiff de Kevin, je sais pas, une spatule. Ensuite du coup on a pris un, du coup je sais même pas comment ça s'appelle ça, un truc comme ça pour retourner la viande, on en avait pas. Des assiettes parce qu'à chaque fois qu'on a du monde et tout, on a jamais les assiettes assorties ou alors on en a pas assez, c'est chiant. Du coup là on a craqué sur celle-ci. C'est des plates mais un peu creuses. Et voilà, elles sont assez grandes. Bon, du coup, en fait, j'hésitais avec deux couleurs. Des grises hyper claires ou les comme ça. Du coup, on a pris les comme ça. Mais finalement, arrivé ici, je me dis qu'elles iraient mieux les autres. Donc, je pense que je vais aller les échanger. Et pour terminer, on a pris donc les fameuses chaises. Parce que du coup, on vous a pas montré comment elles sont. Mais ce sont celles-ci, en fait. On va les ouvrir après, on vous les montrera une fois montées. Et vous avez, donc c'est un lot de deux. Vous avez les deux pour 49 euros. Ouais, c'était ça, 49 euros. Et le modèle était vraiment trop beau à exposer. Donc voilà, je suis trop contente. On va vous les montrer tout à l'heure quand on les aura déballés. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai pris ce petit jeu en bois pour Liam. Je voulais trop qu'il ait un petit truc comme ça pour pêcher. Vous savez, les animaux en bois, là, c'est aimanté. Et en fait, bah, on a commencé à l'ouvrir. Et j'aime trop... Je crois que c'était 6 euros, du coup, ben, on lui a pris ça aussi. Bon, alors, je vous reprends un peu tard parce que on est allé au sport. On a laissé Liam chez papy et mamie. Et là, on vient de rentrer parce qu'en fait, on repart pour un repas chez mes beaux-parents. Du coup, là, on est en speed parce qu'en plus, on s'est pris des bouchons, on est en retard, enfin bref. Je voulais quand même en profiter pour vous montrer les chaises, du coup, qu'on a montées, qu'on a installées. Ben, je vous les montre de suite, en fait. Bon, voilà ce que ça donne. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. En plus, elles sont bien confortables. Enfin, vraiment, elles sont top. Et j'aime beaucoup les pieds en bois comme ça avec le blanc en haut. Je trouve que ça fait super beau. Ça fait mieux que le tabouret qu'on avait en fait. On avait juste un tabouret pour deux. C'était un peu galère. Donc voilà, là, c'est plutôt cool. Elles sont vraiment très jolies. Et voilà, après ça, je pense que je vais le mettre. Du coup, j'ai une idée. Je pense que ça, je vais le mettre ici. Mais de toute façon, je vous montrerai tout dans un prochain vlog quand j'aurai tout mis. Et j'ai même fait ça, regardez. Ça, je l'ai mis juste ici. Et j'ai mis en fait une guirlande que j'avais achetée chez Zodio l'année dernière. J'aime trop ce genre de guirlande avec les lumières chaudes comme ça. Et puis je trouve que ça fait super joli comme ça. Je voulais aussi vous montrer, bon ça j'ai reçu ce colis là de chez Hopi hier. Vraiment trop canon avec trois vernis. Regardez-moi ces beautés. Et en fait je voulais vous en parler parce qu'il y a la vente privée actuellement sur Beauté Privée. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets mon lien dans la barre d'infos. Et ça, je vous en parle pas de celui-là parce que je vous en parlerai dans un prochain vlog. Et je voulais aussi vous montrer cette bougie trop belle pour Noël. Elle est vraiment trop jolie. C'est l'art... La marque, c'est ça. L'art osé qui fait ça. Et c'est en fait une bougie parfumée artisanale faite à la main en France. Une mèche en bois, en fait. Il y a 32 heures de brûle. Et regardez-moi ça, comment elle est trop belle. Je ne l'ai pas encore sortie exprès pour vous la montrer. Regardez-moi cette beauté. Elle est parfaite pour Noël, pour la déco, elle est trop jolie. Le verre mat comme ça, avec le cerf comme ça, noir, et la mèche en bois. Donc apparemment, il faut couper ça, là, le gris. Et ça crépite et tout. C'est la première fois que je vais tester une bougie avec une mèche comme ça. Donc j'ai hâte, je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Et la mienne, elles sont quoi? Elles sont l'eucalyptus, je crois, qui avait marqué. Donc voilà, Kevin est sorti de la douche, donc moi je vais y aller. Moi je vais y aller. Bah, du coup je vais clore le vlog là parce que je pense que de toute façon il est déjà assez long et puis on va à un repas donc c'est pas très intéressant. Donc je vous fais de très gros bisous. Mais Kevin aussi pas très intéressant. Mais à vloguer c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que tu veux que je... Je vous fais de très gros bisous et Kevin aussi. Et le prochain vlog vous le verrez beaucoup plus à Kevin puisque... Laisse-moi leur parler. Pardon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Le prochain vlog me sera consacré étant donné qu'on part à Issoire.
C'est à côté de Clermont-Ferrand, pour celles ou ceux qui connaissent. Moi, je connais pas, je sais pas tout ce qu'il y a là-bas. Moi non plus. Donc voilà, parce que j'ai un grand prix la semaine prochaine. Donc voilà, ça sera le sujet du prochain vlog. Ouais, la dernière compétition de l'année. Voilà, de la saison. Donc voilà, mais je pense qu'on vloguera les plusieurs jours, en fait, les trois jours. On pourra vloguer les trois jours, vendredi quand on part, samedi le jour de la compète et puis et le dimanche, le retour. Ouais. Et surtout le gros petit déj qui nous attend. Ouais, il rêve de ses prochains repas après la compète et de ses petits déj. Ouais. Donc voilà, bon allez, on vous fait des gros bisous et on va vite fait se préparer. Bisous.